RTL Matin. Yves Calvi. 7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Une page se tourne à l'Assemblée nationale. Près d'un quart des députés socialistes et à peu près la même proportion chez les Républicains ne rempliront pas aux prochaines législatives du mois de juin. Vous me souffliez il y a quelques instants que ça pourrait être jusqu'à 130 nouveaux visages. Alors que se passe-t-il Alba? Est-ce que c'est une question d'âge? Alors oui, question d'âge et question d'usure. Quand vous avez passé 36 ans sur les bancs du Palais Bourbon comme Claude Bartolone, l'actuel président de l'Assemblée nationale, 65 ans aujourd'hui, on peut raisonnablement se dire qu'il est temps de raccrocher. On pourrait citer Jean-Marc Ayrault, 67 ans, ancien Premier ministre, élu en 1986. Et même Ségolène Royal, qui n'a que 63 ans et qui, entre ses fonctions de ministre et de député, a passé plus de 20 ans à l'Assemblée et qui lorgne aujourd'hui un poste à l'ONU. Et puis Michel Sapin, par exemple, lui aussi, successivement député et ministre, qui ne briguera pas un nouveau mandat à l'Assemblée où il a été élu pour la première fois en 1981. Alors oui, l'âge compte, l'idée que l'on a fait son temps, comme on dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la loi sur le non-cumul. Alors ça joue, ça évidemment aussi, pour tous ces élus qui vont devoir faire un choix aux prochaines législatives, entre par exemple un mandat de député et leur mairie, ou bien la présidence d'un conseil départemental. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a surtout, Yves, ce sentiment qu'on est à la fin d'un cycle. Les Français en ont un peu marre de voir les mêmes têtes avec des résultats qui laissent à désirer. Ils aspirent à un renouvellement, à une régénération du personnel politique. Et d'ailleurs, si certains ont décidé de jeter l'éponge, c'est aussi, pardon de le dire trivialement, mais par peur de se faire dégager. Si François Hollande a rendu son tablier, c'est parce que les Français ne le voulaient plus. Regardez comme ils ont fait le ménage au moment des primaires. Exit Nicolas Sarkozy, exit Alain Juppé. Et si François Bayrou a fait don de son corps à l'équipe Macron, c'est parce qu'il savait que son sort était scellé. Mais ça touche aussi de plus jeunes élus qui ont décidé de ne pas se représenter eux aussi. Alors, prenez par exemple Bernard Cazeneuve, le Premier ministre. Il n'a que 53 ans. Il a déjà fait 3 mandats. C'est beaucoup. Et lui, il dit stop, ça suffit. Et il va maintenant aller travailler dans le privé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a aussi tous ces députés qui n'ont fait qu'un mandat et qui ont, on peut dire, déchanté. Dépossédé de pouvoir, insulté sur le terrain sous la présidence Hollande et qui ont sans doute anticipé la bérésina qui se profile. Des députés qui ont fait le constat que la politique n'est pas un métier, qu'on n'y fait pas carrière. Ils ont milité plus jeunes, ils ont consacré beaucoup d'énergie et ils estiment au fond que la politique, eh bien, ce n'est pas automatique. Alors voilà, jeunes, moins jeunes, usés, fatigués, écœurés, tout cela témoigne en tout cas d'un monde politique en fin de parcours. Vous savez, le crépuscule du monde politique, qui ne nous dit en rien quel en sera l'aube de demain. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Alba Ventura pour l'édito politique d'RTL. Et je vous rappelle qu'à 7h45, c'est Bernard Accoyer, secrétaire général du mouvement Les Républicains, qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux. On attend toujours confirmation de l'accord des Républicains avec l'UDI.